les BRICS. Ok Antoine, comment tu t'es senti? Ouais, c'était correct. Mais mes mains, je trouvais qu'il y avait des misères à aller plus vers l'avant. Plus vers l'avant? Ok, comment on pourrait aider à mettre tes mains un peu plus rapidement vers l'avant? Peut-être ouvrir plus les hanches. Ouvrir plus les hanches? Tourner le pied, c'est à, pour apporter plus vers l'avant. Comment on arrive à ouvrir les hanches maintenant? C'est surtout, je pense que c'est plus attaquer, ramener un peu vers le centre. J'aime ce que tu dis, ok? Donc avec ton pied arrière, ce que tu me dis, c'est d'être un petit peu plus agressif, amener ton genou vers la balle, ce qui va créer une rotation de ton pied. Ouais. C'est ça que tu me dis? Ouais. Ensuite de ça, les hanches vont tourner? Ouais. Ben, c'est ça? Ouais. Ok, on se concentre là-dessus. Vous avez vu, au début de l'intervention d'Antoine, il a parlé un petit peu de ses mains, il a parlé du haut de corps. Étant donné qu'on commence à travailler avec un jeune, on essaie de cibler les objectifs, puis tout ça, c'est pas un produit fini, un gars de 19, 20, 21, 22 ans, il est en pleine acquisition de mouvement. Renaud, il l'a amené vers quoi? Antoine a commencé avec le haut de son corps, Renaud, il l'a amené vers quoi après? Vers quelle partie? Vers le bas. Et tout le temps, ce que je dis à mes kids dans notre école de baseball avec des plus jeunes, c'est un peu bâtir, entre guillemets, un frappeur, c'est comme bâtir une maison. On va commencer avec le solage, la fondation en bas, le sous-sol, un coup que ça, c'est bien, bien gros fait, c'est solidifié. On va monter après pour le rez-de-chaussée, les étages en haut, puis tout ça. Lui, il voulait commencer avec les chambres au deuxième étage. On va commencer à solidifier la base, une bonne base, l'alignement des pieds, être solide sur ses jambes, un peu comme Jérémy tantôt, puis être certain que son côté arrière va exploiter bien, bien gros. Un coup que ça va être stabilisé. Il y a des bonnes chances que, à cause que les problématiques du bas de corps vont être réglées, que le haut de corps va se placer automatique. Puis si jamais on a encore des problèmes avec le haut, on va stabiliser le bas avant et on va cibler ce qui ne va pas après au niveau du haut de corps. Deuxième round maintenant. Comment tu te sens avec ton pied arrière? Bien, je suis plus solide. Plus solide? Je suis mieux pour attaquer. Ok. Je pense que tu peux être encore plus agressif à rentrer ton genou dans la balle. Comment tu t'es senti deuxième round versus la première? Je me sentais beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Plus stable? Ouais, c'était plus stable. Je trouve la balle, j'attaquais plus, ça avait plus de power. Plus de puissance? Ouais. Continue à travailler là-dessus. C'est bon. Merci beaucoup Antoine. Tu veux redonner le casque à Zachary? On va se préparer pour passer un deuxième tour. Maintenant, le but, c'est détection d'erreurs. Oui, on a ciblé des trucs qui allaient un petit peu moins bien, mais faut pas oublier une chose, faut garder ce qui se fait bien aussi, puis essayer de le garder en acquis, ou on peut pas juste, à toutes les fois qu'on intervient avec un joueur, de juste cibler des choses qui vont pas bien. Faut renforcer aussi des trucs qui vont bien, puis de le féliciter par rapport à ça. On l'a pas fait nécessairement avec Renaud, à part peut-être dans la deuxième ronde, parce qu'on voulait focusser sur la détection d'erreurs, mais faites attention à ça. C'est important d'avoir un recap, si tu veux, dans le terme anglais, de très, très positif avec nos joueurs. Si on regarde collectivement les trois, qu'est-ce que vous avez remarqué qui, en général, faisait très, très bien? Quelqu'un qui veut se mouiller? Pardon? La sélection de lancer?
OK, good. En général, ils sont-ils lancés dans le vide une fois? Non, je pense pas. Ouais. Ça n'a pas arrivé. Zach, come on. Zach, une fois, bon, il a cligné des yeux en même temps, c'est des choses qui arrivent. Pardon? Ouais, c'est ça. Lance tout le temps le coach, le problème, ça, c'est ça. T'as un point, mon grand? Pivoter. En général, le travail des pieds allait très bien, surtout un de nos kids avait cette problématique-là et dans la deuxième ronde, on l'a très très bien ajusté. Moi, ce qui me frappe bien souvent quand des jeunes, là, la première fois qu'ils arrivent dans nos écoles de baseball, les moustiques ou les peewee, en général, sont programmés à frapper une balle à seconde. Puis tout de suite après avoir frappé, on s'installe, on a la balle qui coule, on est pressé de refrapper une autre balle. Au niveau éthique de travail, on faisait un élan. Après l'élan, on se reposait, on se regardait nos pieds, on se replaçait tranquillement. Le beat, si tu veux, de la ronde, on faisait une balle, on prenait le temps. Puis entre l'élan 1 et l'élan 2, le jeune a le temps aussi de se trouver des points focales qu'on appelle. Dans le cas à Zach, ce serait juste par rapport à la ronde de tantôt, loading. Dans sa tête, il y a le mot loading à se dire. Si il frappe une balle, aussitôt qu'il a frappé, il se replace puis il veut en frapper une deuxième, il n'a pas le temps de se parler et s'auto-coacher, si tu veux. En entraînement, on a le temps d'avoir de l'interaction avec notre jeune. En situation de match, en demi-finale, la match est 2-2, puis il y a les buts remplis, tu calls pas de time pour aller voir l'arbitre, pour aller voir ton jeune puis parler de technique. Il faut qu'il apprenne à le faire lui-même, donc l'éthique de travail était très, très bonne.